Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottins Ma Passion. Très heureux de vous accueillir pour une toute nouvelle vidéo direction l'hippodrome de Clairefontaine pour l'événement du jour. Comme d'habitude, les résultats qui s'affichent devant vous, distance classique 2400 mètres, un terrain annoncé bon souple par France Gallo 3,3, 16 partants, qui était encore très ouvert. C'est un tracé quand même coulant malgré les 2400 mètres. Base gagnante, le numéro 7, Outamaro. Détecté le 5 mai dans le quintet de Lyon, je donnais tiercé quarté quintet pour un gain de 2000 euros ce jour-là. Troisième à plus de 60 contre 1. Il a ensuite répété troisième à Chantilly, deuxième récemment d'un quintet sur l'hippodrome de Compiègne. C'est un cheval qui se monte près de la tête, il a tout pour gagner. Si tout se passe bien, il peut enfin remporter son premier quintet. Deuxième base, le numéro 12, Queen Lady. Alors, en deux courses, elle passe de 28 à 35 de valeur. Elle a battu Trabuco avec 4 kilos d'avantage qu'elle perdra lors de leur deuxième confrontation. Trabuco qui a fait 4e de quintet plus à Paris-Longchamp derrière Shane Keir et Ronaldo qui est une excellente ligne. Pour un premier quintet, je la vois dans les 3. Premier outsider, l'As pour Mirabeau, sera monté par l'excellent Christian Demuro, vainqueur d'un quintet plus et deuxième avec la pénalité en 2021 mai et août. Donc ça, enfin c'est signe de très bon cheval. Vient de faire une grande rentrée gagnante à Bordeaux. Je pense qu'à l'avenir, c'est un cheval qui va monter dans les listettes pour son retour dans les quintets. Il peut jouer les belles places. Deuxième outsider, le 9 Paper Trophy. Distance pur droitier, c'est nickel pour dimanche. Va bien à gauche, donc il n'y a pas de problème sur les deux cordes. Il reste sur deux places de 4e et 3e dans les quintets à sa place à l'arrivée. Cinquième position, le numéro 5 Révolté. Une jument à l'excellent entraîneur Jean-Marie Benguigné. Battu Trabuco en lui mettant de longueur, donc c'est pas mal. Ensuite, 13e d'une classe 1 trop relevée pour elle, redescend de catégorie par rapport à la dernière fois, j'y crois. 6e place, ben le numéro 10, Trabuco, a des lignes avec le 12, a des lignes avec le numéro 5. Il coche toutes les cases, terrain, distance, corde, 4e de tiercé. Voilà, ça va être un des favoris que je mets un peu plus loin, mais c'est un cheval qui peut servir de base. 7e position, le numéro 11, Idéfix, 10 sur 10 en course dans les 5 premiers, allant de 2000 à 2700 mètres, corde à gauche, corde à droite. C'était pas mal le 19 juin, finissant à une tête de Trabuco, je garde. Et je termine avec le numéro 15, Full Flow. À part sa rentrée, c'est 12 sur 12 dans l'argent, 2 sur 4 dans les quintés plus. C'est un cheval qu'il faut préserver, voilà, c'est très ouvert pour les places. En étant préservé pour venir chercher une place de 4e, 5e, c'est possible comme d'autres concurrents. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, merci de m'avoir écouté et nous on se dit à demain. Ciao !